Allez. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se fait un early game un peu tanky? Genre, je prends que de la tankiness et je verrai après pour le carry. Je pense que ça peut être une idée. Hein. Ouais, mec, fais ça. Allez, salut, à plus. Plein de gros bisous. À tout à l'heure, mec. À ce soir, ouais. Ouais, bisous. Après, Arty, je vais aller mapper sur Trackmania. Je vous ai partagé une vidéo d'un mec qui disait comment rendre une map sympa et tout. J'essaierai de voir si je peux faire un peu ce qu'il fait pour rendre la map sympa. J'espère que je vais réussir à créer un bon banger. Pas un truc à la mort moelle-neu avec... Oh, bah tiens donc. Vex Gangplank. Putain, Vex Gangplank quand même, c'est quelque chose en termes d'entrée dans la partie. Vex Gangplank les gars, waouh, c'est abusé. Oui, je les garde. Vex Gangplank, est-ce que c'est une game Yordle? Je ne pense pas, je pense plus à de l'Arcanis qu'autre chose. Le Gangplank qui me fait penser à pas mal de belles choses. Une larme, ouais, là ça serait plutôt de l'Arcanis du coup. Alors, accélérateur métabolique, je trouve ça très fort, surtout si je joue mercenaire par hasard. Le secteur commercial est cool, le bac de recyclage est cool. Le bac de recyclage est très cool même. En fait, c'est un item de plus. Et j'aurais bien aimé jouer la win streak, donc je vais jouer le bac de recyclage. Oh ! Désolé, ça a bugué, je l'ai mis sur elle. Par réflexe. Bon, vas-y, on va go Yordle pour l'instant. Et je pense qu'après, on verra si on rota sur... Oh, il y a du ferraillage, hein. C'est dur de pas anticiper du ferraillage là-dessus, mais juste, j'arrive pas à jouer ferrailleur. C'est pas assez une seule direction pour moi. Je comprends pas encore la compo ferrailleur. Faudra que je vois un tutoriel ou un truc comme ça. Ou que quelqu'un m'explique gentiment. Technochimiste érudit, ok. Ça peut valoir le coup si j'ai Murdinger avec les Yordle. Ça a pas l'air d'être des Yordle quand même, cette game. Mais pour commencer, j'ai pas mieux. Ça a vraiment pas l'air d'être Yordle, mais bon. Est-ce que vous voyez autre chose, vous? Si on veut win streak, va falloir push un peu quand même. On va lui mettre une petite larme. Petite larmichette, là. On a Justicier Sniper, qui est peut-être même mieux. Mais bon, Arcanis, ça va booster la Vex. Je vais gagner ce match, je pense. En vrai, ça fait beaucoup de dégâts, Zach, quand même. C'est un peu le problème. Mais bon. Techniquement, il est pas censé me gagner, quoi. Oh, OMG. Si Vex ne peut pas recast... Vex ne peut pas recast. Tu dois hunt ma médaille hauteur. Ah ouais? Tu vas tenter de la faire? En vrai, je pense que c'est faisable, mais j'ai tellement eu de la chatte que c'est... Ça paraît difficile, quand même. Ça paraît quand même difficile. Je vais essayer de hunt les médailles hauteur des autres aussi. Oh les gars, attendez, ça donne trop envie de jouer Yordle là. C'est quoi ce merdier? Je sais pas ce que vous en pensez, il y a des Yordle ou pas? Les gars, il n'y a pas de Yordle. Après, je sais que c'est pas Yordle, c'est jamais Yordle, mais là quand même c'est Yordle. Yordle et Arcaniste. Est-ce que ça serait pas Lulu over Tristana? On a découvert un gros cut sur ma dernière map. Sur le Foreign Way? Ou sur une que j'ai pas vue? Parce que sur le Foreign Way, ça me choque pas du tout. Ça ne me choque pas du tout, genre au début que t'as... En fait au début, plutôt que tourner à gauche et faire tout le chemin très long, je pense que tu viens juste prendre un checkpoint et tu reviens... J'ai pas osé en parler hier pour pas te dégoûter parce que t'as dit que c'était ta préférée, mais pour moi il y avait beaucoup de chemins qu'il fallait pas prendre comme ça, quoi. Peut-être qu'il y en a plusieurs des cuts, hein. En tout cas moi il y en a plusieurs que j'ai imaginé, je les ai pas testés pour pas dégoûter, mais...
Bon, c'est surtout parce que j'avais pas trop le temps. Je voulais juste faire un bon score et m'assurer du bon score plutôt que. Curieux de voir ce que tu veux faire. Bah ouais, je te montrerai tout à l'heure, du coup. Je vais faire un peu de TFT. Peut-être, à la limite, tant que je fais du top 4, je joue, et si à un moment je perds, ou plutôt l'inverse, jusqu'à ce que je gagne une game, je sais pas encore. Pas que je gagne une game, jusqu'à ce que je fasse top 4, quoi. Je suis pas très bon, malheureusement, sur TFT. Hein. J'aimerais vraiment progresser. Hein. Bon, c'est jamais TF, de toute façon. En fait, j'ai envie de jouer Emmerdinger. J'ai juste envie de rentrer Emmerdinger sur mon terrain, là. Je prends l'alarme. Je prends la paix. Je pense que si je prends l'alarme, ça m'offre déjà le Emmerdinger. Après, j'aurais pu prendre de l'armure pour Vex. Ou des HP. Mais bon, je vais mettre double larme sur Emmer et on verra bien. Alors, qu'est-ce qui rentre là? Poppy encore, putain, fait chier. Yordle enchanteur, peut-être on peut faire rentrer du garde du corps. Genre comme ça. Peut-être que gagner de la tankiness, c'est pas mal. On va pas push, on va essayer de garder la défaite, la loot streak. Je peux slam blue buff parce que si je l'avance, ça me refait un blue buff. Enfin, ça me refait l'arme, pardon. Ok. Le mec joue mutant, mercenaire, on sait pas trop. MF Morello, la tech. Vu qu'elle a déjà un Morello intégré. Peut-être je devrais mettre la larme sur Ziggs. Hein, mais juste, ça me plaît pas de faire ça. Parce que l'arme sur Ziggs, ça veut dire je perds un Ziggs si je veux revendre et jouer Emmer. Et Ziggs carry, je suis pas sûr que ça fasse vraiment le café. Hein. Je sais pas. Ah, voilà le Emmer. Voilà le Emmer. Je pense qu'on va faire ça et ça. Voilà. Je pense que comme ça c'est fine. Et là du coup on peut imaginer raider un peu les compos des autres. J'essaie de me placer différemment histoire de surprendre un peu. Ou d'amener mon Emmer se faire tuer. Finalement, des fois tu surprends et des fois tu te fais juste tuer. Tu veux bien taper Echo s'il te plaît? Non? Ok, je peux comprendre. Très bien, tu fais le kill, c'est cool. On tue Blitzcrank avant qu'il caste. Super. On va le gagner ce fight. Hein. Super. Il m'aurait fallu 3 gold, malheureusement je ne les ai pas. Là tout ce qui compte c'est de pas perdre trop d'HP. Je pense que Yordle c'est vraiment en dessous. Hein. Mais bon, ça me plaît, genre c'était vraiment un early Yordle, ça donnait vraiment envie quoi. Ça donnait vraiment vraiment envie. J'aurais bien aimé Vex là. Se placer comme ça, on va mettre elle juste devant et elle là, voilà. Pour ce fight là, mais bon, même pour les autres fights, je pense que c'est ok. Nickel. Oh, ben, la petite box Vex qui fait plaisir. De l'AD c'est cool, ça peut faire tueur de géant et ça peut faire IE pour IE Jewelry Gauntlet. Ça peut faire pistolet mextech. Oh là là, c'est très très bon tout ce qui est en train de m'arriver là. On a ZX2 qui rentre. Si je revends, je peux revendre Darius pour passer à 40. Si je gagne, pardon, je peux revendre Darius pour passer à 40. Je sais pas à quel point on pourrait classer mes items là dans la tier list. Je sais pas si c'est j'attends Gangan, je sais pas ce que je dois faire. J'avoue que c'est un peu compliqué le choix. Parce que je pense que c'est très bon de faire pistolet à mextech, en vrai.
Juste aller vérifier ce qu'ils en pensent, les gens sur internet. Sur internet, le Heimerdinger, ils lui mettent Archange Blue Buff. C'est vrai que si je mets Archange Pistolam, c'est pas mal. Hein. On va attendre l'augmenter la draft partagée, les gars. On n'est pas pressé. Déjà, tel quel, là, ma compo, elle joue au jeu. En plus, si je gagne vraiment, je pourrais revendre le Darius. Et vu que je gagne vraiment, je revends. Du coup, on va maintenir des HP tout en jouant Yordle. On est loin de nos champions, mais ça va venir petit à petit. Hein. Vu qu'on a la Vex qui est déjà 2 et tout, ça va bien tanker. J'achète la Lissandra, mais j'ai pas trop envie en vrai. C'est très cher. C'est très cher pour faire entrer Érudit, quoi. Blitzcrank, à la limite, il rentre Ferrailleur, Garde du Corps, il rentre des trucs, vous voyez, mais... Lissandra... Oh, après, ça, il y a pas mal de joueurs de Lissandra, donc ça counter un peu, c'est pas mal. Cara Delevingne, Lissandra tanky avec Shojin. Malheureusement, Lissandra qui va toucher mon Hammer. Hammer qui fait de son mieux pour lancer des ultimes. Regardez les PV qu'il avait. Il a quand même réussi à faire des trucs. Par contre, ouais, Cara Delevingne qui me pète la gueule. Je pense que le pistolet Mextech aurait rien changé. Bon, vas-y, je la revends. On va prendre Linkom. Un objet complet aléatoire, c'est très bon, hein. Encore une fois. Hein. Je peux réduire les heals, mais bon. Je suis désolé. Hein. Voilà, moi aussi, je peux réduire les heals. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire les bons choix. Je pense qu'on va faire ça. On va pas trop roll, ça m'intéresse pas. Hey, désolé pour hier, c'était une journée spéciale, bref, vous savez bien. Comment ça, Padin? Pourquoi désolé, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier, mon Padin? Je me fais vanner par Yannick qui me disait, ça fait une semaine que je vois Master ce soir. Bah, je n'y arrive pas. Je suis pas venu. Ah, oh, mais tranquille. Tranquille, il n'y a pas d'obligation, je te le rappelle. Enfin, je dois beaucoup te le répéter parce que... En fait, déjà ça me fait mal au cœur que... Dès que tu t'excuses parce que putain, ça veut dire qu'ils se sentent obligés et tout. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Et même si un jour tu ne te connectes plus, je me dirais pas... c'est parce que... Enfin, je me dirais juste, c'est juste qu'il fait des choix ou quoi. Hein. J'ai en fait même le fait que tu mettes un message, juste mettre un message et tout. C'est-à-dire que tu prends du temps sur ta journée pour ça. Ça me fait très plaisir évidemment, mais ne te force pas. Hein. Vis ta journée à fond et si tu peux venir, tu viens. Prends-le plutôt comme ça. Hein. Je veux que ça sert à rien de juste venir pour. Juste venir pour me mettre un message pour que, entre guillemets, je sache que t'es là. Ça va plus. Ça te force à faire quelque chose, tu vois. C'est pas bon. Le but, c'est pas de te forcer, mon gars. Le but, c'est vraiment pas de te forcer à faire un choix. En fait, je peux avoir le gant et je peux faire gant crit. En fait, le simple fait que j'ai gants là, ça peut faire. Ça peut faire du très bon parce que je peux aller vers gants crit IE, mais je peux aussi aller vers gants crit. Vas-y, on fait rentrer Lulu. Hein. Je sais pas, les gars. Je sais vraiment pas. Non, je peux forcément pas si je serais venu hier, mais pour autant, je trouve ça cool de laisser un message. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, je continuerai à apprécier à chaque fois toutes tes venues. Vex et Hammer, c'est très bon. Bah écoute, vas-y, je te fais un petit résumé là, de ma partie, comme ça tu vas comprendre. Les Yordle, comme je les joue, ce sont les petites créatures que j'ai sur mon terrain. Les Yordle, c'est des petits... des petites créatures, c'est une race, quoi. C'est un peu comme les Wookiees, les... Comment ça s'appelle? Les Ewoks dans... Dans le Seigneur des Anneaux. Dans... dans Star Wars.
L'idée, c'est très simple, c'est qu'à la fin de chaque combat, je gagne un Yordle aléatoirement. Ça, c'est grâce à leur synergie. Quand t'en as 3 minimum, et bah, ils t'en rajoutent un tous les tours. Et si tu les as tous au niveau 3, donc c'est-à-dire que tu en as eu plein, alors tu es récompensé. Voilà, c'est le principe de cette composition. Là, tu vois, je viens de passer mon premier Yordle niveau 3. Et du coup, on va essayer de faire un top avec ça. Ok, on a le blue buff. Oh là là, on peut faire tellement de trucs. Je suis paniqué. Parce que ouais, IE, gankrit, c'est pas mal quand même. Ou alors, je fais pistolame gankrit. Pistolame shroud devant, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. C'est compliqué de faire ce choix-là. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Padin ? T'étais en famille, j'imagine ? Quoique, hier, on était vendredi, tu devais être en stage. Bah, en vrai, t'aurais même pas eu le temps de passer parce que j'ai streamé pendant ton stage. Donc, ça aurait été compliqué de réussir à passer. Je suis allé chez les parents le soir, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Donc là, je vais peut-être avoir Vex 3. C'est une journée très chargée entre la pâtisserie, le frère et sa copine qui sont arrivés, qui ont eu envie de faire un gros ménage. Et t'as Daron qui t'a demandé de l'aider de passer 1h30 à calibrer. Ça veut dire quoi, calibrer? Enfin, si, je sais ce que ça veut dire calibrer, évidemment. Mais je veux dire, dans ta situation, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas envie de jouer ces champions-là. Oulala. Oulala les gars. Oh là là les gars. Allez, on va reroll un peu. Yordle quand même. Y'en a pas? Oh, y'en a pas beaucoup, hein. Y'en avait vraiment pas beaucoup là-dessus. Oh, le Hammer qui a réussi à tanker. Ok, pas assez. Pas assez pour que je sois heureux, mais il a fait de son mieux. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux. La Vex qui est quand même très tanky. Hein. Malheureusement, Twisted Fate va faire tomber mon... Va faire tomber ma Tristana au combat, du coup je perds mes dégâts distance, ouais, ça va être plus dur à la fin. Ça va être plus dur. C'est pas grave, on a fait de son mieux. 55 PV, on a bien avancé dans les Yordles quand même. On peut y croire. Hein. On peut y croire à ce top les gars. On se rapproche de Heimerdinger 3. Bam, deux Yordles en même temps. C'est très bien là, il nous en manque plus tant que ça. Hein. Le stage, je l'ai de 7 à 12, donc nope, j'étais dispo quand t'as lancé le live. Mais genre, tu fais ça en matinée, bah oui, c'est logique. Je pensais en fait que t'allais faire vachement plus de ventes, généralement, c'est pour voir tous les métiers, du coup. Je pensais que t'allais faire un peu de ventes et tout. Je m'attendais pas à ce que tu fasses autant de... Bah, que tu sois autant derrière, en fait, au fourneau. Calibrer la taille des œufs. Quoi ? Calibrer à tes œufs? Attends, mais comment ça? Je comprends rien à ce que tu me dis. J'essaye, hein, mais je ne comprends rien. La taille des œufs. Calibrer. Mais même, en fait, même si tu peux me parler des œufs, j'avoue que je vois pas trop le fuck. Oh! OMG, j'ai pas la place sur mon banc pour tout acheter. Ah, c'est un peu ça de la commu, là quand même. Ah ouais, la commu est un peu sad. Tu sais, pour dire si c'est des petits, moyens, gros, très gros, il faut les peser. Ah mais oui, mais c'est vrai que ta mère, elle travaille là-dedans. Ok, oui, c'est pour le boulot de ta mère, j'ai cru que c'était pour chez toi.
Je te demande, mais quel rapport, quel est le fuck? Ça y est, j'ai la ref. Je crois que c'était le boulot de ta daronne, c'est ça? Et franchement, Vex, ça fait de son mieux, hein. Et rien que le fait qu'elle fasse de son mieux, je trouve ça très bien. Oh, j'ai gagné! Oh, c'est miraculeux. Ok. Là, on veut tueur de géant ou on veut spell crit? On verra ça à quoi on aura le droit. On a le droit de tueur de géant 4 gold, en vrai c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'est pas loin de ce qu'on veut. Hein. On a beaucoup de champions qui peuvent passer 3 là soon. Regardez, Tristana, on est 1-off. Encore une Lulu. Oh, encore une Lulu! Oh non. C'est le pire jour de ma vie. Ok, Vex 3, c'est le meilleur jour de ma vie. Oh non, les gars, j'ai dû gâcher tellement dur de là, mais c'est bon. Désormais, on n'aura plus de place gâchée parce que on va bientôt finir par trouver Poppy. Ensuite, Tristana va venir assez vite. Lulu va commencer à revenir, mais ça va aller, ça va aller. On va s'en sortir, guys. Quand Emmerdinger il louche quand même, j'avoue que ça me dégoûte. Mais là l'adversaire il a pas assez de dégâts je pense pour faire tomber ma team. Vu que, enfin il aurait pu gagner mais vu que j'ai le pistolet à Mextech, du coup je tank trop avec mon Emmerdinger. Genre il fait des dégâts, il se régène. C'est difficile d'aller lui chercher ça. Très très bien, très très bien. Le mec est niveau 8 en face, hein. Faut bien se dire qu'on tape un mec qui est niveau 8 là. Trousse de secours c'est sympa. 300 PV par élimination, c'est sympa, mais les soins et les boucliers, vu que je vais jouer Janna, ça va être trop fort. Regardez, en parlant de Janna, la voilà. Jure que j'ai rien trouvé. Ah putain, c'est chiant ça, rien trouvé, c'est pas beaucoup. Hein. C'est presque 1, mais c'est 0. Putain, j'en fais quoi de ce gant? Techniquement, ce gant, c'est soit gant du voleur pour Veigar, soit c'est gant clé précieux pour Veigar. Soit c'est griffe de la Manji pour la backlane. Soit c'est Shroud. Là je suis à 7 items complets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là ils sont à 6. Alors je suis censé en avoir un bonus. Eh ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. De rien pour l'inspiration. Ouais merci Setups. Là ça m'a donné l'idée, mais après je suis pas sûr que ça gagne moi. Parce que moi je joue Emmerdinger carry plutôt que Tristana et bon. If I speak I talk, à Esot quoi. Oh. Ouais Emmer, on se régène là? Voilà c'est ça, on se fait casser la gueule par Galio je vois. J'ai la ref. Le truc c'est quoi mais frérot le Tariq il fait trop de taf. Oh attendez. Parce que là, l'antil il va être proc backlane. En vrai, Vex, tu veux pas juste gagner le fight? Non? Ok. Là, il faudrait passer les champions niveau 3. Hein. Et Merdinger, oh, je vais me retrouver encore dans la même situation, les gars. Oh, on est dans la même situation que tout à l'heure. Regardez cette vie de merde. Je vais encore devoir annuler un truc. Oh non, j'en ai marre. Ah, encore Lulu! Je ne peux pas y croire, c'est illégal. Ça me fait tout le temps ça quand je joue Yordle, c'est pour ça que j'aime pas cette compo. Oh là, QSS, mais j'en ai rien à foutre de QSS. Runan, ok, Runan, et là ça commence à me faire penser à Tristana. En plus, tout à l'heure j'avais une Lulu sur le board qui s'est revendue. Je perds tellement de temps, les gars. Ok, c'est bon. Je perds
perds trop de temps, les gars. Je suis tellement en retard sur mes Lulu. Ok, je prends la Poppy. On va faire ça, les gars. En plus, j'ai trousse de secours qui sert à rien pour l'instant, vu que je joue pas encore Janna, du coup, naturellement. Ah là là, on est dans la sauce. Mais deux seuls cas, mais deux seuls... Ah non, ça va, Emmerdinger est passé 3, mais j'allais dire, mais Karis au niveau 2. Après, Vex, là, bon. Elle est un peu gifted, ma Vex. Hein. Attends, mais Emmerdinger, faut jouer au jeu. Hein. Oh, OMG, il joue pas, ce chien. Mais, Emmer? Ok, ok. Oh bon, il a joué sur la fin. Sur la fin, il a joué. Combien de dégâts? 7000, ça va, il a joué. Lulu 2. On essaie de pas trop tarder. Ok, on a la Janna. Le truc, c'est que c'est maintenant que j'ai les plus de chances de trouver mes champions, donc j'ai pas d'intérêt à up. Ok. Ok, ok, ok. Le truc, c'est que maintenant, il faut juste gagner ce fight et... Il faut gagner ce fight, à tout prix. Pour avoir les Linkom. Parce que j'ai choisi de me sacrifier pour... Oh non, il est pas mort, le Temkench. Oh, la chatte, du coup. Oh, nice, c'est moi qui ai eu de la chatte aussi. Tu veux pas juste tuer? Merci. Que mes fights se passent aussi bien, c'est une aberration, les gars. Le Emmerdinger, tout ce qu'il a fait, c'est chatter. Il aurait pu se faire manger par Temkench, il l'a pas fait. Il aurait pu mourir, il l'a pas fait. Il aurait pu se prendre l'ulti, il a décalé d'un pas. Frérot, c'est même pas du smurf à ce niveau-là, c'est... En vrai, on va juste push, vu qu'on l'a prochain round, la copine. On va juste push et reprendre l'incom. Du coup, là... Attends, est-ce qu'on se mettrait pas comme ça? Ok. Là il va avoir un bon flank, je pense. J'espère juste qu'il se fait pas annihiler. On a le bon flank, on a la trousse de secours qui fonctionne bien. Oh, on a le bon flank, il peut tomber Yumi et Urgot en vrai. Il y a un monde où d'entrée de jeu il va s'attaquer à Urgot hein. Allez, triple roquette, oh fais chier, nique ta mère. Nique ta mère. Après les soins sont augmentés avec trousse de secours hein. En vrai, c'est... Là, pour le coup, je suis bien. Pas très bien placé face à lui, mais c'est quand même passé. Là, on est niveau 7. On a Lulu qui rentre. Après, on a le Vegar qui commence à arriver. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on va avoir un peu de retard sur le niveau des thunes. On va avoir un petit peu de retard. On va à tempo pour Vegar. Là, c'est item complet. Donc, on cherche un item complet pour Vegar. Morello, c'est parfait. Oh, pitié, le Morello. Laissez le Morello. Ne pas toucher. Pas toucher Morello, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonsoir. Vous connaissez le Morello? Personne n'en veut. C'est pas une méta où il y a des heals quand même, ça se saurait. Oh bah le Morello est tombé. Double gant? Double gant les gars. Personne veut d'un double gant sur Sion. Je vais me faire foutre. Ah, j'ai toujours su que de toute façon je jouais jeu mécanique. Eh non, c'était une blague. Oh le fils de pute. C'est très fort ça sur Lulu. Sur Tristana. Voilà, on a Lulu qui rentre. Oh, j'ai un double gant. Ah mais non, mais j'ai pas de double gant parce que... Si je mets double gant là... Eh oui, j'ai un double gant. Bien joué à tous. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je savais très exactement que ça allait se passer comme ça. Je mets ferrailleur ici. Histoire de profiter de ferrailleur. Et là, on attend le Vegar qui rentre prochain... Alors, prochain round, il pourrait rentrer dans ma compo, mais je n'aurais pas les gold pour le faire rentrer. Donc il rentrera juste après le dragon techno. Là, on a quand même une bonne avance, on a des bis partout. Enfin, si on réussit pas à s'en sortir, quand même, c'est criminel. Si on fait pas un top 4 avec cette game-là, je ne fais plus jamais hurdle de ma vie. On a du bis partout, mon Emmerdinger, il est là, smurfing every fight. Enfin bon, bah, c'est... Top 4, Riot.
30 gold, on a le Vegar qui rentre. On l'aura juste après le dragon, ouais. Est-ce qu'il y a des gros dangers là pour mon aimer ici? Gros danger, c'est ça. On va considérer que c'est un gros danger. Pour se rendre en tout cas. Là ça le force à faire deux pas son time catch avant d'avancer. Bon, on tombe pas sur lui. On tombe sur un mec qui honnêtement on est bien placé aussi. On évite la Lissandra, la vilaine Lissandra qui est évitée. Ok, on fait déjà les dégâts. Et là ce qui serait bien c'est de tomber le Urgot. Oh bah la Jinx qui s'est jetée dans l'équipe. Bon travail, on fait tomber son ange gardien. Bon, c'est éliminé pour lui, hein. Dommage. Hein. T'es là, tu joues contre Yordle, tu perds. Bon, t'es triste. Du coup, on aura peut-être Vegar 3 au moment de le faire rentrer. Là, on pourrait déjà lui mettre Gant du voleur. Hein. Iron Soso. Iron Soso, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus insane. Parce que vu comme t'es placé en Yordle, c'est compliqué de... C'est compliqué d'aller mettre un Iron Solari, quoi. Ça peut être pour la front lane, en vrai. Ça peut être pour Janna, pour qu'elle heal plus. Ça peut être pour Lulu. Ouais, ça peut être pour Lulu. D'ailleurs, ça va être pour Lulu. Oh, j'ai un coup de main de Nico, là. Bon. Très bien, j'ai compris, Riot Games. J'ai compris ce que vous vouliez me dire. J'ai entendu votre parole. J'ai entendu votre sainte parole, les gars. Ouais, je vais mettre comme ça. Et en plus de ça, j'ai Shojin sur mon double gant. Bon, je ne vais pas parler, gros. Ça serait utiliser ma salive pour rien. Je ne peux pas ne pas faire top 4. C'est impossible. Le jeu en a décidé ainsi. Ça sera donc en top 4. Shojin qui proc. Vegar 2 doing things. Ah non, not doing things. Attends, mais il fait des dégâts ce chien. Il est top dégâts, mais il a tué personne. Après, tu me diras, il dissémine tellement de balles à travers l'Europe que c'est difficile de faire des dégâts. Mais quoi? Mais je me fais casser la gueule par une Akali! Il y a quelques secondes, il disait qu'il ne pouvait pas ne pas faire top 4, mais finalement, qu'en est-il? Avec. C'est bon, il fait top 4. Quand même, on a eu peur. Bah là c'est illégal, genre si je ne peux pas top 4 c'est illégal. Je vais chercher Kaisa 2 là, mais Kaisa 2, je vais chercher Janna 2 mais... Et d'ailleurs j'aurai jamais Vegar 3, hein, ça sert à rien de le conserver. Vu qu'il a QSS on va bien le placer. Oh merde, est-ce que j'aurais pas raté ton message tout à l'heure, Padin? Je crois que j'ai dormi parce que vraiment j'en peux plus, je suis trop fatigué à cause du stage, mais elle va 5h30 du mat depuis lundi. Bonne game, bonjour mon live et bonne nuit. Bah bonne nuit à 15h30 du coup. OMG. Ok, removed end key. Je pense que ton clapio ne fera rien face à mon équipe là. Oh non, j'arrive pas à le tomber. Y a pas quelqu'un qui élimine la Kali? Ah, c'est difficile d'éliminer la Kali. Ils sont 2 à 1 PV là. Je vois, j'ai la ref. C'est quoi le plan de jeu face à Akali? Bah c'est quand même une Akali vedette 3. Bon, il n'y a pas de plan de jeu, c'est perdu. Après, si, il y a peut-être un plan de jeu justement. Non, ce n'est pas garde du corps, je peux pas faire entrer garde du corps les gars. Si. Je l'achète, on verra bien. Ça sera peut-être Brom over tout le monde. Je me suis pas placé contre Akali justement. J'aurais peut-être dû mettre mes backline derrière. Mais je voulais m'assurer si je tombais sur Remove de bien gagner contre lui. Ah, gagner contre Akali, ça semble impossible. Eh, je joue trop au jeu. Oh là, salut Lucas, comment tu vas BG?
classer quoi. Diam 2, là on va faire des LP, on va passer à Diam 2, 40 LP. Qu'est-ce qu'on veut comme stuff? On a Vedette qui peut rentrer. On a... Oh, attends, on a pas mal de trucs en vrai. On a ça là pour la vitesse d'attaque qui peut faire le café. On a ça sur Poppy qui peut faire le café. T'as vrai toi? Bah écoute, ça va, ça va. Je fais de mon mieux pour essayer de gagner cette game, mais c'est dur. C'est pas Jana 2 qui veut rentrer. Ça fait une larmichette, mais la larmichette, je m'en bats un peu les couilles. On va juste faire ça, on va se placer contre Akali, les frères. Écoutez, il n'y a pas 20 000 choix dans cette partie. On va essayer de se placer un peu aléatoirement pour elle. Je pense que c'est assez aléatoire comme placement. Là, si elle fait des choses, bah bravo, hein, juste bravo. Là, la Akali, elle est disséminée justement pour qu'elle ne fasse rien. J'ai tout placé pour... Ah bah si, elle fonce tout pile sur mon Emerdinger, genre c'est... Elle fait des petits pas de côté pour aller toujours sur les bons champions, c'est annulé. Après, Emerdinger régène bien. Il va falloir lui mettre une triple roquette et lui faire péter sa mère à un moment, hein. Sauf que non. Bah Akali 2, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais faire top 2 comme d'hab, hein. C'est en fait le truc que je fais le plus dans ce jeu, c'est des top 2. Je n'arrive pas à faire de top 1. Ah, j'ai un PV. Bon, ça va me laisser une chance pour... Ça va me laisser une chance, écoutez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, ça. On va essayer de se placer de manière à ce qu'elle puisse pas avoir tous mes carrés en même temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Écoutez. Là, elle peut pas avoir tous mes carrés en même temps, là, Akali. Faut arrêter. On arrête les histoires. C'est pas possible. Végard, il a un stuff de fou furieux. Il faut tomber la backline, mais le truc, c'est qu'il a trop d'enchanteurs. Je ne peux pas faire tomber. Mon Végard ne fait pas de dégâts. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y avait rien, il y avait pas de Joe dans mon équipe. Bon, il y avait un top 2, quand même. On va faire un D2 53 LP. Je vais faire mon Magikarp 5 IV plus très bien en défense plus shiny. C'est propre.